vite, vite. J'essaie de faire un truc en fait. Ouais, tu voulais lui couper la gueule, ouais. Ouais, j'essaye. Oh, ça passe! Oh, ça passe! Oh, oui! Oh, oui, mon dieu! Oh, mon dieu, ce que j'ai mis! Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Et aujourd'hui, on va se retrouver de nouveau pour une game plus de 20 kills avec une arme toujours pas utilisée par la communauté. On va se retrouver pour une grosse game à la Galil, la CR Amax, qui est une totale dinguerie sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Mais cette fois-ci, j'ai changé quelque chose dessus. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like. On termine sur un plus de 20 kills. C'est le moment de défoncer la barre de like, de montrer le soutien, etc. Et au niveau du référencement, franchement, ça m'aide. Et je remercie toutes les personnes qui lâchent un pouce bleu et qui partagent les vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Merci infiniment à vous. Et surtout, cette vidéo est sponsorisée par Opera GX, le tout nouveau navigateur le plus performant et dédié aux gamers. Mettez donc à la poubelle Google Chrome ou Firefox pour accueillir correctement la nouvelle pépite. Le premier truc cool est la personnification personnelle de celui-ci avec les différentes couleurs ou fonds d'écran à votre disposition. Maintenant, à toi de savoir comment tu veux le design. Et tout bon gamer suit activement l'actualité, ce qu'on possède dans le corner GX en un seul clic, et également pouvoir jouer gratuitement à un jeu du mois. Mais la meilleure partie reste à venir. Vous pouvez configurer l'utilisation de la RAM ou du CPU pour éviter de dépasser une certaine limite. Vous avez également un VPN gratuit à votre disposition pour rester discret, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou partout dans le monde. Cette nouvelle configuration peut vraiment aider les personnes n'ayant pas un PC exceptionnel. Ce navigateur permet un accès rapide à vos applications préférées comme Twitch pour ne rien rater de ton streamer préféré ou YouTube et ne pas oublier le like. Au niveau de l'interface, vous pouvez accéder rapidement à vos applications à messages instantanés comme Discord, Facebook, Instagram et WhatsApp. Évidemment, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Le lien sera dans la description, je vous recommande fortement de l'utiliser et je remercie énormément Opera GX pour le soutien et on retourne sur la vidéo. Au niveau de la classe, je pense que vous savez, on attaque toujours par le silencieux monolithique, le canon, on se retrouve de nouveau avec le même, le XRK Zodiac. Au niveau de la lunette, on va se retrouver donc cette fois-ci avec le viseur holographique américain et je vais le personnaliser et mettre tout simplement le point bleu dessus au lieu du VLK x3. Pourquoi je fais ça? Il y a beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de poser cette question. Pour deux raisons. La première, c'est que lorsque vous visez dans le viseur holographique américain, vous pouvez voir tout ce qu'il y a autour, ce que vous ne pouvez pas faire avec le VLK x3. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un un peu plus sur la droite, bah tu ne pourras pas le voir. Il faut déscoper, rescoper, etc. Tandis qu'avec le viseur holographique américain, tu gardes quand même l'espace que tu peux voir autour de toi. Tu n'es pas focus non-stop sur le viseur. Et deuxième chose, c'est que tu vises plus rapidement avec le holographique américain point bleu que le VLK x3. Et surtout, tu gardes le même recul. Donc, c'est plus intéressant pour moi de mettre le point bleu viseur américain avec tout ce qu'il faut. En termes d'accessoires de canon, on va mettre la poignée avant de commando. Si vous voulez mettre la poignée avant de mercenaire, vous faites comme vous avez envie et vous terminez avec les munitions 45 cartouches. Voilà, mais vraiment au niveau de la poignée, c'est comme tu le sens toi. Soit tu décides de jouer ainsi, soit tu décides de jouer comme ça. Personnellement, je recommande fortement de jouer avec ça. Et dernier point important, je vais vous faire un calendrier pour Twitch, comme ça on va pouvoir live 3 jours sur 7, je ne ferai plus tous les jours parce que ça demande énormément de boulot, donc ne vous inquiétez pas, très prochainement je vous sortirai un calendrier par rapport à Twitch. À l'origine je te tue. Oh, t'avais quoi ton arme? Ah ouais, c'est pas forcément la batteuse. Musique trop forte en fond. Ok, je règle ça tout de suite monsieur. Toujours autant dans les prénoms. Ouais, moi aussi. T'es où, frère? Parfait. Je sais pas, c'est comme ça, écoute. Hein. Ça fait longtemps que tu es dans l'Apex, depuis Black Ops 3. Je suis un ancien, ancien, non. Mais vraiment ancien. Hein. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Heureusement que tu avais un drone. Oula. Oula, monsieur. Je vous ai entendu, là. Je vous ai entendu, là, monsieur.
Ouais, mais le problème, c'est lui. Pas quoi? C'est incroyable, t'essaies de me tuer par derrière et dès que t'as l'opportunité, tu la fais pas. Mais vous êtes bizarre quand même, monsieur. Hop, on va prendre un drone. Il y a du monde là à côté. Ouah, il y a v'là le monde à côté. Mais toi, mais... Lui, il fait qu'une chose, c'est attaquer par derrière, c'est incroyable! Mec. Tu sais faire autre chose qu'attaquer par derrière? Hiro des putas! Mais mec, tu m'attaques que par derrière et tu te plains! Mais c'est quoi ces types? C'est toi la sale gueule dans l'histoire, mec, hein. Incroyable. Ok, donc il y a du monde. Ouais, il y a flamme de monde, en fait. C'est... Tu en quoi du nouveau, tu en penses quoi du nouveau code? Mais moi je l'adore, hein. Nouveau Call of Duty, pour moi c'est un grand oui, hein. Très très grand oui, mis à part pour le skill-based matchmaking, mais sinon oui oui, c'est un très très grand oui. Je le kiffe. Ok, let's go. Allez, on retourne au combat. Bémol du jeu. C'est le bémol du FPS en général. A votre avis, l'autre, il est toujours en train de camper ou pas? Juste pour savoir. Attention, une équipe ennemie vous pourchasse. Drone ennemi au-dessus. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Ça dégage. Forcément qu'il m'a pas vu lui, hein. Parfait. Ton AX c'est une variante? Oui monsieur. Oui monsieur. Je la trouve magnifique cette variante. Tu vois, autant normalement je suis pas team pigeon etc, mais là franchement. Ok, donc c'est toujours le même. Secondes près. T'as une sacoche, ouais ouais, mais je vais aller chercher le kill, frérot. Parfait. 11e kill. On enchaîne plutôt assez bien. Il était couché le bug. Bon, je pense qu'il avait rien du tout en fait, hein. Vu comment je l'ai descendu aussi rapidement que ça, je pense qu'il avait vraiment rien du tout. Gaz en approche, déplacement de la zone de sécurité.
Est-ce qu'on reprendrait pas? Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Je pense qu'il faudrait également reprendre une prime là. Là tu vois, regarde. On a de nouveau tout ce qu'il nous faut. On prend la sacoche. On peut même reprendre un drone. C'est exactement ce qu'on va faire. Let's go, reprendre un drone. Alors je sais pas s'il est en train de tirer. Ah, il est en train de tirer. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. À terre. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Ok. Je sais qu'il y a deux mecs différents. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour rapidement. On va se casser. Ça dégage. Ça va, la double paiement. Tranquille, au calme. Et il jouait super propre, lui. Hein. On peut toujours aller fumer ce mec-là. Dis-moi, mais juste pas que tu vas prendre la voiture. Le drone n'a plus de carburant. Problématique. On va prendre chez séance de mort. Hein. Ok, il y en a un qui était ici à ma hauteur. Parfait. Perfect. C'est également qu'il y avait du monde un peu ailleurs. Attention, le gaz se rapproche. Alors je sais pas s'il est en train de camper ou s'il est en train de faire autre chose. Ça peut être risqué ce que je vais faire. Très risqué. En plus on est dans le top 1, dans le top 10. Presque. On l'a vu. J'ai vu une silhouette. Parfait. Faut toujours faire un peu attention à ce genre de type là sur les tops là. C'est très risqué. C'est très très risqué. De ratio, pas de ration. La ration si c'est pour la bouffe frérot. J'ai pas de 72 de ration. Et en fait il est toujours au ping lui. Hein. Pour le moment il est pas déterminé à bouger. Absolument pas. Le gaz se rapproche. Changement des zones de sécurité. Bon, on sait qu'il y a du monde qui va devoir sortir du coup. La victoire n'est plus très loin. La véritable question, c'est est-ce qu'il va sortir déjà?
Oh, ok, il y a du monde en plus là-bas. Il y a beaucoup de monde. Je sais pas si ça serait une bonne idée d'essayer de contourner un peu le truc. Parce qu'on sait qu'il y a du monde sur la droite, mais le truc c'est que si ça vient tous de la gauche après, je suis un peu mort. Je suis complètement baisé en fait. Soit j'essaye d'assurer le top 1, soit j'essaye au moins de faire un kill, genre. Bon bah c'est good, on essaye le 20 kills. Cette game c'est même pas une game galide, c'est une game sniper mec. Je sais pas combien de kills de snipe on a fait. Vas-y, y'a pas de problème R7. Allez, c'est la fin messieurs. On est dans le top 10, 19 kills. À 1 kill du 20 kills. Je stresse un peu. Ok, 20 kills. C'est le moment, donnez-moi votre force, messieurs. Toute votre force. Pas un peu de la hauteur. Je pense que ça me paraît être une bonne solution. Si on prend plus de hauteur, on sera un peu plus avantagé. Faut prendre de la hauteur. Non. Messieurs, où est-ce que vous êtes? Attention, ici, non. Peut-être rester un peu ici au niveau du creux. Peut-être qu'ils vont tous sortir ailleurs. Et s'ils sortaient tous de la ville? On va voir. Non! Oh non, mais mec, je me fais attaquer par devant et par derrière, sérieux là? Non, mais mec, vous êtes. Non, mais c'est incroyable! Je l'ai même pas entendu! Oh là là! J'ai même pas de bol! Oh! J'aurais dû rester en hauteur en fait, j'avais tellement plus d'avantages.